tenu cette réunion aujourd'hui avec trois points à l'ordre du jour. Le premier point, il s'agissait à la suite du projet d'accélération du numérique que le gouvernement est en train de mener en discussion avec la Banque mondiale. À cette étape, il est question que nous mettions en place le comité de pilotage qui va poursuivre les travaux dans le cadre de ce projet. Donc, il s'agissait aujourd'hui de réunir l'ensemble des acteurs concernés, en tout cas les plus représentatifs de l'économie numérique dans notre secteur, pour mettre en place un comité préparatoire qui doit réfléchir à la composition de ce futur comité de pilotage. Donc le premier point, il s'agissait essentiellement de ça. Sur ce point, nous avons fait un certain nombre de propositions sur la présidence de ce comité de pilotage, les deux vice-présidences, ainsi que le secrétariat, le rapporteur et les membres. Donc pour l'instant, évidemment, ce sont encore des propositions qui restent provisoires, que nous allons soumettre aux autorités pour que ça soit validé, parce que ce sont des éléments qui sont attendus au niveau de la Banque mondiale dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet d'accélération du numérique, dont je rappelle que c'est un projet qui a une enveloppe budgétaire de 100 millions de dollars pour financer l'accélération du numérique, la transformation digitale dans notre pays. Le deuxième point à l'ordre du jour, il s'agissait d'un sujet donc de réflexion autour de la mise en place d'un comité permanent du numérique. Nous avons un texte de décret que nous avions déjà envoyé au niveau du secrétaire général du gouvernement, et à la faveur du remaniement du gouvernement, le texte nous est revenu. Et donc nous avons saisi cette occasion pour réunir une fois de plus autour de la table ces acteurs du numérique pour voir si ce texte méritait ou pas d'être toiletté. Donc voilà, ce texte a été, deux versions ont été soumises à discussion, le texte initial et puis les textes contenant les propositions de retouches, de remaniements. Le troisième sujet, il s'agit à la suite des assises du numérique qui se sont déroulées en 2016, sous notamment la tutelle du chef du gouvernement de l'époque, M. Clément Mamba, et du ministre en charge de l'économie numérique de cette époque, donc 2016. Il y a eu ces premières assises qui se sont déroulées au niveau de l'université Marien Ngouabi. Il s'agissait pour nous de reprendre l'initiative un peu, on va dire, historique par rapport à ça, pour se projeter sur la préparation des deuxièmes assises de l'économie numérique. Donc, voir un peu ce qui a été fait à cette époque, quelles sont les recommandations qui ont été faites, qu'est-ce qu'on en a fait de ces recommandations, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et puis se projeter pour les deuxièmes assises du numérique qui seront sous l'égide de M. Léon-Juste Ibombo, ministre en charge de l'économie numérique. Et donc, sur ces deux points à l'ordre du jour, nous nous sommes promis de nous retrouver la semaine prochaine, certainement le mardi, pour continuer les échanges, alimenter les échanges et les discussions autour de ces projets, et après sortir un rapport qui sera soumis aux autorités concernées. Voilà, merci.